Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture d'un booster. On va ouvrir ce petit booster force caché, c'est le booster que. Ouais, je crois que j'avais montré dans la précédente vidéo, que j'ai reçu avec un scotch devant là. Avec un petit trou. Bah c'est invendable, enfin si ce serait vendable, mais voilà, moi je vends pas de la marchandise dans cet état. Donc déjà dans un premier temps, n'achetez pas sur eBay des boosters à Gamez 2211, je crois. Parce que j'en ai reçu 3, ils sont tous défoncés, sales. Bon, ils sont fermés donc je les ai gardés, mais celui-là il est vraiment défoncé, quoi. Il est troué. En plus, c'est une personne malhonnête qui m'a traité d'escroc par téléphone, qui m'a insulté de tous les noms. Là, ils vendaient un booster à espèce Delta il y a peu longtemps. Je sais que c'est Pierre qui l'a acheté. Enfin, son pseudo c'est Psor. Ben, je sais plus combien le chiffre après sur eBay. Bah écoute, comme je t'ai dit au téléphone, mec, j'espère que tu vas recevoir des boosters scellés au moins. Ils vont être défoncés comme celui-là, mais au moins si tu les reçois scellés, c'est déjà ça. Donc ça, on va l'ouvrir, on verra bien ce que ça nous réserve. Ça me fait un peu chier d'ouvrir des boosters ex, hein, c'est pas mon habitude. Voilà. Et je voulais vous parler aussi des tripacks que je devais recevoir, les tripacks que j'avais dit à certaines personnes, que j'avais dit ici aussi sur une vidéo, je crois. Que je devais recevoir des tripacks, ça devait être deux boosters diamant et perles de base et un booster ex île des dragons. Bah voilà quoi, c'est ça que j'ai reçu à la place. Deux boosters aux majestueuses et un booster diamant et perle merveille secrète. Et c'est la même chose derrière. Avec une image différente. Donc le mec, je l'ai envoyé balader et il m'a dit en fin de compte que bah lui il s'y connaissait pas en Pokémon en fait. C'était une boutique en Belgique, hein, je peux le dire maintenant. Et bah pour lui c'était la même chose quoi, il avait pas fait attention. Et du coup il m'a remboursé. Et il m'a dit comment dire. Il m'a laissé les tripacks en fait. Il m'a dit bah vous pouvez les garder. Voilà. Donc bon bah. J'étais content parce que ça fait plaisir d'avoir des tripacks à zéro. Hein. Mais bon bah j'étais déçu quoi. Parce que les tripacks. Bon les diamants et perles de base, je m'en foutais un petit peu à vrai dire. C'est surtout le booster ID Dragon scellé en tripack, bah, c'est inestimable quoi. Donc j'étais un peu dégoûté, hein, même très très dégoûté quoi. Donc du coup ça. Bon, je l'ai gardé un petit peu, surtout pour le booster diamant et perle merveille secrète. C'est à l'échange, et si ça part pas dans un peu de temps, bah, je pense que je les ouvrirai, tout simplement. Voilà, donc revenons à nos moutons. Je sais pas si vous connaissez cette expression. Revenons à nos moutons, en tout cas. On va ouvrir ce petit booster, et puis bon, bah, on verra bien que ça nous réserve. Alors. Hop. Voilà. Oh là 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 là, l'état des cartes quoi. Oh. Ah, je sais pas si ça se voit à la caméra. Elles sont. Et après on me traite d'escroc que les cartes sont pas neuves, sont neuves quoi. Je sais pas si ça va se voir. C'est infernal. Ça se voit pas, c'est dommage. La carte elle est complètement abîmée derrière quoi. Comme des petits trous avec un cure-dent ou. Je sais pas si on va bien voir là. On voit pas du tout, on paraît voilà, pareil neuf, mais. Ah si là on voit. Attends. Mettre la lumière. Hop. Ah voilà, vous allez voir là, regardez bien. Regardez cette carte. Elle est trouée de partout. Et après on me dit que c'est moi l'escroc. Hein. Voilà, donc surtout n'achetez pas de booster à Gamez, même si c'est des boosters anciens, lui. N'achetez surtout pas quoi. Bref, je crois que c'est la première. Je sais plus. Pour les boosters X. Il me semble que c'est la quatrième. On va essayer, on verra bien. Ah, c'était la première. C'est quoi ça? Ah non, c'est une peu commune. On va commencer avec celle-ci, donc je savais pas que c'était la première, donc c'est une peu commune reverse avec le petit signe force caché. Attends mais j'hallucine. Oh là là, j'avais pas vu. Regardez, là. Et là, il y a du rose. C'est vraiment une calamité ce mec. Bref, j'espère qu'en tout cas je vais me faire rembourser, mais surtout lui achetez pas de booster, hein, c'est vraiment. Je sais pas si les autres cartes vont être comme ça, mais. Donc Corraillon quand même, échange d'énergie. Non, pour les autres ça va, ils sont bien neufs.
Furisson. Malos. Lupio. Vous imaginez, j'ai une carte star. On peut pas rêver. Tétarte. Je pense que la rare, je l'ai bien mise au fond, c'était bien la quatrième. Érissandre. Axoloto. Et. Oh putain! Genuex. Ah, c'est rouge, ça doit être Typhlosion. Oh! Oh, ex, attendez. Ouais. J'ai de la chance, elle est nickel. 100% neuve. Hop. Petite pochette. Oh là là, la chance que j'ai, quoi. Enfin, non, la chance. Dans mon malheur, on va dire la chance que j'ai, quoi. OOX, quoi. Un booster, j'ai OOX. Donc c'est la 104 sur 115. Et elle est 100% neuve. Là, c'est hyper chanceux vu la tronche du booster. Ah bah tant mieux. Voilà, ça lui apprendra l'autre. Ah, je suis super content. Alors là, franchement. Enfin, je suis content et pas content parce que je l'ai déjà en fait en neuve. Donc elle sera à l'échange ou à la vente. Ah, c'est dommage que j'ai pas eu le Celebi ou le Lugia. Même le Tyrann aussi, j'adore aussi. Hop. Bon bah au moins j'ai pas ouvert pour rien, entre guillemets. Il m'aura pas arnaqué jusqu'au bout. Voilà, puis j'avais un petit message aussi également à faire passer. J'avais promis que j'allais faire une vidéo de tous mes boosters. Je vais éteindre la lumière déjà. Parce qu'on n'y voit plus rien. Hop. De tous mes boosters, etc. Et ben en fin de compte, je suis désolé, hein, mais j'ai un gros imprévu. En fait, j'ai pas tout avec moi. Et je vais recevoir d'autres choses également. Donc ça sera pas encore pour cette semaine. Peut-être la semaine prochaine, mais plus sûr dans 15 jours. Je vous promets rien en fait, parce que voilà, je promets des choses et j'arrive pas à les tenir. Donc ça sera dans le mois en tout cas qui vient. Ça sera au mois de mars, ça c'est sûr. Maintenant, quand, je sais pas exactement. Voilà. Ça pourra intervenir la semaine prochaine comme dans 15 jours. Voilà. Et je vous laisse sur ce petit plan d'ensemble. Et un petit rappel, n'achetez pas de booster à Gamez 2211 sur eBay. 2211 ou 1122, je sais plus. C'est un arnaqueur, il envoie des boosters troués, défoncés. Et j'ai hâte que Psor les reçoive pour qu'il me dise si les siens étaient également défoncés, parce qu'à mon avis, il y a des chances. Bref, je vous laisse sur cette vidéo, je vous souhaite presque un bon week-end, on est jeudi. Bon, une bonne fin de semaine. Enfin bon, la plupart sont pas en vacances, ils sont chanceux. Et je vous dis bon, à très vite pour une ouverture de booster que je ferai la semaine prochaine, je pense. Allez, ciao!